Hier, nous toutes well, famille Lavalas fou les béton. Et dernière fois, nous avons parlé de manifestation qui gon paquet de monde qui prend la rue. C'est la dernière manifestation opposition t'est organisée pour demander président Jovenel Moïse pour démissionner pour quitter le pouvoir. Et c'est là tout nèg yo t'a pral venir avec ti chanté si Jovenel Moïse pas aller y a mourir. Et voilà, jodi an nèg yo fin assassiner président Jovenel Moïse, yo sous pouvoir, yo a fait, y a défait, y a coupé, y a craché. Maintenant, qui sont doit comprendre dans manifestation ça que famille Lavalas organisé hier là? Parce que vous regardez côté moun yo sorti, yo réuni plusieurs branches de manifestation, sorti Kafou Résistance, descend tabac, aller devant la caille ancien président Jean-Bertrand Aristide. Non seulement militants, sympathisants à la Lavalasio, yo bon message clair, direct, précis, yo te vle fait passer, yo t'a fait passer, mais tout, nan mitan même militants, sympathisants, ça yo, ou te senti gagner yon certaine tellement comme cohésion. Te gonti laisse frapper, m'bra l'explique pour qui ça. Parce que yon vin divisé par rapport est-ce que ancien président Aristide doit sortir, est-ce que le pas doit sortir, est-ce que le doit saluer yo, est-ce que le pas doit saluer yo, qui ça qui doit faire. Eh bien, on responsable de famille Lavalas, nous dérivé contacté, fait comprendre que Aristide pas sorti pour un but bien précis, bien déterminé. C'est pas que Aristide pas de vle vin rencontrer et sympathisant yo, militant yo, qui te prend courage à de bras organiser manifestation pour demander Aristide comme président provisoire, pour demander Aristide comme gouverneur républicain, mais pour des raisons de sécurité qui gen pour avec non seulement quantité moun qui gen et nous connaît problème insécurité à comment li en Haïti, donc yo même yo te fait un choix. Mais ce n'est pas tout le monde qui comprend ni dans le temps, et partisans, c'est partisans, famille Lavalasio. Qui ça qui t'a pi bon? Est-ce que c'est si Aristide te sorti, li te recevoir moun yo, li te font parler avec yo? Parce que, il y a deux aspects pour comprendre. Si ancien président Jean-Bertrand Aristide te sorti, parler avec moun yo, li t'a vle di, ça vle di. C'est comme si un groupe moun qui prend la rue pour exiger comme président provisoire, pour exiger ou vin prendre renne pays en tête pays, l'on sorti, ou parler avec yo, ou remercier yo, c'est comme sous te ba yo approbation. Puis on continue à faire manifestation, c'est comme si on dit, oui, d'accord, nous foulons le béton, continuez à foutre le béton jusqu'à ce que je rentre dans le palais national. Et d'ailleurs, nous voyons comment les militants ont réagi, nous voyons qui traque, qui circule, qui information, qui circule, comme quoi, 15 juillet, qui a anniversaire Aristide, c'est 15 juillet, ça, il va le faire investiture, il va le mettre dans le palais national, etc. Mais pour nous, Guignon on approche James Pierre fait, approche ça extrêmement intéressant dans le dossier Aristide là. Qui soit doit comprendre aujourd'hui. Là n'a parlé de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide d'un point de vue constitutionnel, tout le monde a dit clairement Aristide fait le mandat, Aristide président deux fois, c'est fini. On y a une idée transition à travers Aristide et m'bral dit nous jusqu'où y a là à terre dans ça qui gain pouvoir avec politique. Famille Lavalas, c'est peut-être parti politique ou bien structure politique qui était authentique. Rete authentique, qui était égal à lui-même. M'bral de pour qui ça? Depuis là, nous t'en avons parlé de Lavalas. Qui est-ce ou toujours t'en avons parlé de leader charismatique Lavalas? Jean-Bertrand Aristide. Et c'est une des bagailles pour comprendre tout. Le a parlé de Lavalas, c'est pas une structure politique. Lavalas résume aujourd'hui avec yon moun. Yon leader charismatique, yon chef de parti, yon chef de file. En nous gardant bien, plusieurs élections faites depuis après 2004, depuis après coup d'état Aristide Blanc. Plusieurs élections faites, Marie Nancy Salé pose candidature pour président en babanye parti Lavalas. Et tout partisan, sympathisant famille Lavalas, contre Marie Nancy Sampatian, pour qui ça n'a pas jamais élu président. Alors que pour quantité moun noue qui fait la rouille hier, pour quantité moun noue militant, partisan, sympathisant, qui a demandé retour Jean-Bertrand Aristide comme président de transition. Là, on a dit tout, en dedans même structure, ça, aujourd'hui, on nous considère comme structure qui est authentique par rapport avec et continuité dans le temps, par rapport avec existence, présence, sous une politique. Mais en dedans structure, là, tout, on dit, il y a quelques problèmes qui méritent résoudre, parce que aujourd'hui, on plus considéré famille Lavalas comme Aristide, que famille Lavalas comme structure politique, que n'importe monde qui allait sous bannière qui a une chance de réussite. On y a. Qui wall international a gagné vrai dans cause Aristide comme président de transition?
Puisque yon konnen nan tête yon Aristide vraiment Lavalas par rapport avec idéologie yon qu'on a promoté, yon qu'on a fait promotion, Lavalas plus penché sous question élection, prend pouvoir à travers les urnes, que yon ta vini avec on l'idée pour yon prend pouvoir nan question transition. Yon toujours dou, yon même à transition, yon coupé fâché, etc. On y a, si madame la lim, si minu, si corps groupe, si communauté internationale, malgré toute tractation ça, malgré toute propagande ça, qu'a fait tout autour de la valasse, yo pas proposition, yo pas dit rien. C'est parce que quelque part, à travers toute lobby ça a fait tout autour de Aristide, c'est pour yo faire peuple haïtien accepter l'idée même de la transition. Jodi en parler de Aristide, mettez Aristide avec transition non même panier, c'est faire accepter transition. Jodi a ou parole plus facile pour peuple haïtien pour accepter idée transition. Ou parole plus facile pour haïtien pour accepter que oui nous d'accord pour une transition, mais transition nous voulons c'est avec moun pa nou, c'est moun pa nou qui pour la donne. Pendant que jodi a c'est même haïtien, c'est même Haïti qui a dou, yo pa vle transition avec Ariel Henry. Yo pa vle transition Ariel Henry parce que Ariel Henry, premièrement, Ariel Henry genye et présomption de culpabilité sous de comme moun ki participe dans tout Jovenel Moïse pour prendre pouvoir par la suite. Ariel Henry ça, même Ariel jodi a dénoncé comme quoi la favoriser corruption dedans pays. Même Ariel ça n'a dénoncé comme quoi li genye de relations présumées avec chef de gang, chef de bande, etc. C'est même Ariel Henry ça. Nous gon paquet reproche tout li. Nous gon paquet et nous longe doit tout li nan question insécurité qui pas ka résoudre. Nous pas vle résoudre, disons. C'est même moun sa yo, c'est même autorité sa yo nou gen la. Eh bien, nous pas accepter yo. Et voilà. Pour nous accepter transition nous gen là, pour nous accepter le fait que un an pral rive depuis Ariel sous pouvoir, on merde pour qu'on jambe régler. Depuis après assassinat président Jovenel Moïse, Ariel là, c'est yo kap coupé, c'est yo kap craché, yo rentré dans palais national, mettez secrétaire général yo. C'est yo kap fait, c'est yo kap défait, mais rien pas jambe évolution. Pas jambe gen changement ou pas jambe ka attendre à rien de positif ou pas jambe ka joindre même au minimum de solution par rapport avec quantité d'individual problème qui gen dedans société en dedans pays. Eh bien pour yon fort accepter Ariel nan un an pral rive la, un an côté la justice pas jambe ka trancher nan dossier assassinat président Jovenel Moïse, un an côté que même présumé assassin sa yo, même présumé complice yo, yo still nan la ri. Yo style a pomene, yo nan pouvoir, yo dan pouvoir, yo allié pouvoir, anye pa jam fait, pa aucune disposition ki jam pran. Eh bien, pour yon faut valer Ariel, pour yon faut valer l'idée même de la transition, comme faut nous accepter, faut nous dire, et son vérité absolue liée, comme jusqu'à présent, a pa yon parti ki pi populaire que Fami Lavalas, pa mon leader entre guillemets charismatique qui plus populaire que Jean-Bertrand Aristide. Donc il faut utiliser quelqu'un lorsqu'il non au moins non ça li ka porter l'autre bagaille, OK, non ça ka fait parler de lui, non ça ka mettre un débat sous table là, non ça li ka sujet à interprétation indépendamment de son mettre de son proposer. Eh bien je dis utiliser mais m'a dit clairement. Non seulement Fami Lavalas, moun ki proche et structure Fami Lavalas sa, Aristide, yo konnen pertinemment bien idée transition avec Aristide avec Lavalas. C'est pas vrai, ça son mythe. Ça son mythe. Li son mythe. Maintenant, qui intérêt États-Unis gen? Qui intérêt lobby et moun entreprise lobbying États-Unis gen? Qui intérêt madame la ligne gen? Qui intérêt binu corps groupe gen jodi an la pour ces modèles propagande ça, pour ces formes de propagande ça, y a fait en dedans pays alors que yo dou yo vle élection, alors que yo dou yo vle rétablir sécurité, alors que yo dou yo vle joindre en entente politique, en dialogue politique, en différentes structures, pour qui ça, pour qu'avoir stabilité, stabilité pour mener élection, élection pour mener renouvellement institution, non seulement institution politique, institution démocratique, yo, dedans pays, yo. Mais, ou bien, nous, c'est bluff, ou bien, nous, tout bagay, ça, c'est menti. Donc, la faute à qui? La responsabilité à qui? Jodi an, faute lancer faute peuple haïtien. Responsabilité an, c'est responsabilité peuple haïtien lié. Parce que gen bien longtemps que c'est même moun sa yo, c'est même corps groupe, c'est même binu yo vin sous différents noms. Yo vin sous différentes appellations, mais c'est même communauté internationale là, c'est même autorité ça yo, c'est même écolon ça yo, c'est même yo même qui prend décision. Jodi an, que di Lavalas, que di SDP, que di Ariel Henry?
Est-ce que entre eux tout là là qui mettait dans tête yo idée d'une transition, est-ce que c'est dans intérêt pays à taper tout bon? Parce que c'est ça pour nous comprendre. Gen bien longtemps nèg yo a ba nous bluff, gen bien longtemps nèg yo a fait maniguette et m'bral dou. Si on fait un parallèle par rapport avec différents chefs d'État qui passent, chefs de gouvernement, premier ministre, président qui passent, dans dernier 25 années ça yo. Pas besoin de remonter dans 30 années, dans les dernières 25 années. On nous garde pour nous, est-ce que l'institution de l'État était plus fort ou bien est-ce que était plus faible? À qui moment était plus fort? À qui moment était plus faible? À qui moment était plus vulnérable? Jodian là, nèg yo te prétend, c'est Jovenel qui était problème là. C'est Jovenel qui était problème là. Malgré que tu as toujours contesté et gouvernement Jovenel Moïse, malgré et mode de gouvernance président Jovenel Moïse, ou tu as toujours contesté, ou tu as toujours reproché des bagages n'est pas fait, des bagages qui doivent faire, etc. Pas de problème parce que qui est dirigeant pour le diriger qui pas bien faille. Qui est monde qui pral diriger sans que on pas un reproche pour porter contre mode de gouvernance, contre gestion l'affaire de la chose publique. Ça, si m'ta dit Jovenel t'a gouverné tant qu'on etc. Tout bagay était parfait. Là, nous avons menti. Et nous connaissons parfaitement bien le paquet de reproches qui était adressé. Maintenant, nous avons fini assassiner le président Jovenel Moïse. Comprenons que tout bagay est pral rose. Et c'est même moun sa aujourd'hui qui a foulé béton qui a pris la rue. C'est même yon même qui a fait alliance avec SDP. C'est même yon même qui a dans diopode. C'est même yon même qui a exigé départ. C'est même yon même qui a exigé démission. Et bien, aujourd'hui, là, imaginons. SDP sous pouvoir. Imaginez différents partis politiques, organisations populaires qui étaient dans le pot côté yo, yo nan pouvoir. Gardez comment on groupe et bon, yo dit c'est fantôme 609 qui rentre dans le ministère planification, al vandaliser, al agresser employé. Qui ça fait? Qui note qui sorti? Qui disposition qui prend? Rien. Tout ça pour comprendre aujourd'hui là. Par rapport avec différents problèmes politiques, par rapport avec nèg qui t'a bataille pour pouvoir, qui t'a bataille pour position, le président Jovenel Moïse t'es là, t'es besoin de prendre place, t'es besoin de pousser de le mettre dehors. Et bien je dis nèg ça au leur dans pouvoir yo. Et bien c'est pas comme si c'est pour un cadeau à Ariel fait nèg yo. L'on prend Rika Pierre, l'on prend André Michel qui gagne boîte l'état pour gérer etc. Bon bon bagaille. C'est pas cadeau. Et comme si nèg dans tes batailles souterraines, il était bataille, il était poussé de Jovenel aller. Donc nous connaît politique là, on dit bagaille là, c'est compromis. Donc nèg yo fait compromis. Nèg yo cherche en façon yo font compromis et compromis nan qui est-ce qui perdant? Qui est-ce qui vrai perdant yo? C'est peuple haïtien. C'est peuple haïtien. Jodi a le m'ap gade même André Michel ça qui a fait poste, qui a tweeté, qui a dit que et Haïti non un passe là qui difficile, si pas une disposition qui prend, yo pral foule béton, yo pral faire peuple, yo pral chercher revendication peuple, yo pral porter revendication. Porter revendication peuple là devant qui est? Mais jodi là, c'est SDP qui au pouvoir, c'est nous même qui pour t'apporter solution avec problème peuple là, problème insécurité ça, problème gang ça, problème criminalité ça, c'est nous même qui pour t'apporter solution avec lui. Et hier soir tout hier soir, il y a une information qui a circulé. Circulé sous qui ça? Sous le fait que, il y a un présumé chef gang base pilote, là, Ezekiel Alexandre, que DCPJ a arrêté. Policiers, brigade de recherche et d'intervention, ils ont mis maintenant pas de casse-avli, et puis ils ont allé avec le DCPJ, qu'on y a qui s'accrivé. Information fait qu'on est, que là, ils ont arrivé dans le DCPJ avec Ezekiel, qu'on y a appel à fait pas ci, appel à fait pas là, et le compte à recevoir différents appels, directeur DCPJ, pour qui ça? Pour y'a été cas libéré. Mais étant donné aujourd'hui, avec réseau social qui est tout le monde a veillé qui est qui moun, tout le monde a veillé qui ça a passé. Donc automatiquement on a arrêté l'information qui a circulé sur internet là, et information ça tellement partagé, donc nèg yo vinn trouver une impossibilité pour relâcher. Finalement qui ça fait? Qui ça qui fait? PNH a obligé à annoncer que yo arrêté Ezekiel chef base pilote. Je veux dire que on voulait que pas veut différents noms qui cité dans dossier Ezekiel là, c'est bagaille terrible. C'est pas terrible. Et c'est ça que fait nous besoin pour la justice camper. Pays pas fonctionner sans justice. Pays pas fonctionner sans la justice. Jodi an, des séries de nègres qui participaient à l'assassinat Jovenel. Ou pas si t'es la justice, jodi an, nègres ça tap sous moun, nègres ça tap au timon des affaires, nègres ça tap sous pouvoir, nègres ça c'est eux même qui tap prennent les décisions, c'est eux même qui demandent pour nommer, c'est eux même qui demandent pour évoquer. Non. Est-ce que réellement, jodi an, ancien président Jean-Bertrand Aristide, Lavalas, t'as pas arrêté pour venir rentrer
Ah oui, je dis là, ça y est là, son malpropre est ambulant, il y a là, en dedans l'État. C'est pas n'importe bagay senti, non, qui y a là. Donc, une structure qui fait qu'on n'est pas collé avec transition, pas collé série avec transition, qu'on y a pas de parler pour prendre la relève dans malpropre, c'est ça qui y a là. Donc, on pas fini. Donc, nous comprenons qui ça gagne, il y a deux bagay pour comprendre là. Question politique, politique est toujours doux, c'est un rapport de force. Et pour nègre tester force vigueur, pour nègre tester est-ce que le style populaire, pour nègre tester est-ce que gen moun leur dit Jean-Bertrand Aristide, leur dit Moïse Jean-Charles, leur dit et Ariel Henry, qui est-ce qui gen plus popularité, qui est-ce qui bénéficie de plus popularité, qui est-ce qui est populaire, ça son moyen. Ça son moyen de faire. L'autre bagarre comme tiré hier dans manifestation famille Lavalas. Pour moun qui t'a gen dans manifestation ça, m'fini par réaliser haïtien mon petit côté marionnette nan li. Et pas tout, non, m'pa di tout haïtien. Majorité haïtien nous agit tan kou marionnette. Imagine nous tout conscients de qui problème pays a gen. Nous conscients gen sécurité, nous conscients gen chômage, nous conscients gen la vie chère, nous conscients de tout problème yo. Et jusqu'à date là, jusqu'à preuve du contraire, nous gen autorité. Nous gen autorité nan paye taxe, nan paye impôt, qui a joué privilège parce que nous-mêmes nous choisi prendre responsabilité, nous paye l'état, paye yo pour yo travail. Qui travaille, yo pas jamais fait travail yo. Mais nous pas jamais dit rien. N'a mouri, n'a prend balle, n'a victime, nous pas capable matisse, bandi éviter l'homme mettre nous dehors dans beignet. Ils ont mettre nous dehors dans matisse. Nous pas dit rien. L'ambassade nous mettre nous dehors dans quoi des bouquets, dans canard même bagaille là. Si c'est soleil même bagaille là, belle même bagaille là, nous pas dit rien. Nous pas prend la. Nous pas revendiquer. Nous quittons tout nèg ap jere koze yo. Au contraire, nous bay nèg yo plus accès, plus possibilité, mette nèg yo plus confortable pour yo voler, pour yo dépouiller qu'est-ce l'état. Mais regardez hier, par le simple fait que nous voulons, ouais, tenez bien, oui, nous voulons pour Aristide, vin président provisoire, nous font choix, nous foulons les béton, nous prenons la rue. Prends la rue pour qui ça, prends la rue à l'exiger Banon Aristide, descend juste la carie dans ta bord, on l'a pas encore, descend dans ta bord. Ah bien, le fait que Aristide pas sorti, moi même j'aime te dire avant, si Aristide sorti, non seulement c'est son forme d'approbation, c'est dire oui d'accord pour le président provisoire, etc. Il accepte manifestation, il accepte le fait que jodi la famille Lavalas allié là avec transition, mais bon l'autre bagaille tout, bon bah équipe important. Même Lavalas, la prele à bas insécurité. La prele à bas la richesse, la prele à bas corruption, la prele à bas gang, à bas criminel, à bas tout bagay. Li conscient yon sorti note, yon mette note dehors, yon conscient bon problème insécurité, bon problème kidnapping, pays yon gen différents problèmes à tous les niveaux de l'État, dans différents domaines yon. Là, nous même encore comme moun kap subi dommage yo. Nous même encore comme peuple kap subi zak malhonnête bandi yo. Nous pas jamais décider prendre la rue, nous pas jamais décider mobiliser. Et puis jodi on nous mette dans tête nous. C'est pour des raisons politiques pour nous prendre la rue. C'est comme si haïtien pas comme qui vrai problème ni gen. Nous gen problème droit nous violer chaque jour, nous pas jamais prendre la rue. Mais pour des raisons politiques, on garder haïtien là, tout ça motivé c'est politique. N'oubliez propre intérêt nous, le droit nous gagner pour nous vivre, pour nous travailler, pour nous circuler, pour nous manger, pour nous vivre décemment, pour nous sécurité. N'oubliez intérêt par nous. N'oubliez intérêt premier autorité au gagner vis-à-vis de nous-mêmes. C'est droit autorité pour nous faire sécurité. C'est droit pour nous mettre travail, pour nous faire création d'emploi. Nous pas faire. Mais nous-mêmes, je dis là, nous avons nos seule obligation, prendre la rue, fouler béton pour des raisons politiques. Nous avons défendu une cause politique. Je dis, c'est comme si cause haïtienne n'est pas juste. Cause pour nous jouer une sécurité, cause pour nous jouer une tranquillité, cause pour nous vivre dans le monde, n'est pas juste. Mais cause pour nous fouler béton, à marcher derrière le monde, c'est lui-même qui est juste. Eh bien, qui ça nous devrait réaliser de pour nous là? Pour te sortir, vient nous recevoir. Nous, bien, nous comprenons. Le politicien a utilisé même politique, nous pas comprenons, pour utiliser, pour le faire être passé, comme je dis, comme un monde qui est censé. Et réaction à la décision, réaction censée, lui, il est censé. Parce que sortir, ça sortir, ça pas utile. Ça t'a pas utile, sinon que je dis, si t'es sorti là, ou t'as besoin de plus manifestation, ou t'as besoin de plus division politique, parce que division politique, la guetta à terre, parce que le petit clan, ça, ouais,
tout allié yo allo rejoindre Aristide parce que yo senti Aristide gen blanc avec gen blanc d'elle qui ça vous fait et pour division politique c'est pour chire pite c'est pour yin han c'est salier c'est salier donc faut comprendre haïtien là ou tendez moi m'te qu'on a fait discussion avec examiner diaspora là m'dit ouais moi même haïtien ça qui vivre en Haïti franchement moi même pas comprendre yo gens amis qu'on dit yo même yo pensé à un certain moment moun yo c'est peur. C'est peur qui fait moun yo pas jamais prendre la rue à revendiquer droit yo. Gen ki même dou comme ça moi même, c'est comme de bonne voye bay, m'pa voye bay parce que moun yo yo trop comme si yo zombifié. Moun yo zombifié, yo trop choisi pour yo rester silence, yo trop choisi pour yo pas réagir, pour yo quitter nèg à utiliser à bon sou yo comme ça. Moi même pas la question et dire avec haïtien en Haïti. Ah, finalement, nous allons comprendre ici, on son choix le vraiment. Son choix nous fait pour nous être pour zombies, pour nous zombifier nous. Son choix nous fait. Là, pour nous prendre la rue, pour nous les vivre, nous les vivre. Même nous, même encore aujourd'hui, là, qui a foulé béton, qui a pris la rue, qui a pris les, nous voulons Aristide pour transition, etc. En pile, là, nous te foulé béton, nous te fait 2004. Nous te fait 2004 pour qui ça? En pile, là, nous, parce que c'est caméléon, nous y est. N'est-ce qu'un fait politique qui dit caméléon? Y'a pas de conviction, y'a pas de idéologie, y'a soutenu vrai, y'a défendu vraiment. Ou te ka jwenn nèg lan avant, li te non l'autre camp, li t'a mandé pour Aristide, yo vin yo bote Aristide yo mené l'année. Aristide doune, comme jodi an la, yo wè courant c'est la valasie, idéologie an c'est Aristide bien, un bien. Tout nèg a fait alliance en bas table là, en façon pour yo monter sous table là, c'est Aristide président, c'est Aristide gouverneur, un bien. Nous la n'ap suiv parce que réalité li pa ni dans la valasie. Réalité li pa ni nan Ariel, réalité li pa ni nan SDP, réalité a c'est ate ali. Réalité c'est ou même qui pa ka soti, qui pa ka circuler kote ou vle. Réalité c'est bandi ka pran tribunal d'asso, c'est bandi ka pran paquet d'asso, c'est bandi ka pran machine. Opération la police d'asso, ka pran uniforme, ka pran badge, ka pran tout bagay. Et puis le machine sa gen alerte sou li, la police, vrai policier qui campe dans point fixe, bandi qui a mis en uniforme la police a ouvri balle sou policier nou yo. C'est sa réalité. Réalité c'est kidnapping, c'est insécurité. Réalité son groupe nèg qui participe dans assassinat au président jodi an qui gen pouvoir nan men yo k'ap coupé k'ap rache. C'est sa réalité. Eh bien qui sauve li? Ou gen réalité en amour, mais ou préférez vivre dans illusion. En illusion qui pas mener nulle part, qui pas changer en rien, alors que nous gen pouvoir en tant qu'haïtien, en tant que moun, nous gen pouvoir pour nous changer de donne, nous gen pouvoir pour nous changer de situation dans vivre là. Il suffit que nous prenions conscience, il suffit que nous regroupions nous. Haïtien choisit regrouper toujours dans l'intérêt de l'autre monde. Pas jamais regrouper dans l'intérêt par eux. Donc, Aristide ta président, dans l'intérêt qui est si ta pris? Dans l'intérêt ou bien dans l'intérêt blanc? Puisque c'est blanc, te geta mette dévolu sous lui. Qui te geta mette griffio sous lui. Donc, c'est ça pour comprendre. Bataille pour ça dans l'intérêt, bataille pour ça qui ka sotou, retiro koto et anan mizoyen. C'est ça pour nous comprendre. Et, on nous prend un petit peu mon regard, on va retourner après pour cette émission. Genban, c'est une formulation qui fait à partir de 13 plantes médicinales qui gagne pour nourrir corps, réparer cellules, augmenter énergie physique et mentale, compenser carence en nutriments, liquéfier sang pour permettre une meilleure circulation dans l'organisme. Bi principal li c'est produit hormone testostérone qui pral augmenter libido et qui pral augmenter désir sexuel. Genzouti c'est une crème qui formulé à partir de produits naturels. Objectif lui c'est augmenter élasticité dans tissu spongé pénis là qui c'est peau pénis là et en même temps li gen pour nettoyer corps caverné pénis là qui c'est veine pénis là. C'est tout des actions ça yo qui pral permettre les pénis là en érection, li pral ka recevoir plus sang et puis li pral détirer dans longueur ak nan largeur. Bon. Nous connaît moi-même question violent, question détournement mineur là, son bagage pas même qu'attendre parce que le fait que m'attendre des séries de grands monde qui a utilisé ti moun, qui a abusé ti moun, qui a abusé ti moun, qui te ka petit tout. Bon d'après ça moun violé, c'est comme jouman kon, gros bagage qui pas marcher nan ou. Parce que toute relation c'est consentement.
Ou reme femme nan, ou ta baye femme nan ou bagay, cause à femme nan, parler à femme nan, si femme nan reme femme tête. Ou finalement la bon bagay. Mais je dis en la, gon situation dégénérée, gon situation catastrophique qui a passé dans le département Grand-Est là. Dans Jérémy Serrel. Serrel qui sa ki genye? Eh bien, gen Exilias Lorama qui se coordonnateur plateforme nationale kap defann dwa moun dans département Grand-Est qui lance un SOS. Qui lance un cri de détresse. Pour qui ça? Li dit que, un paquet de grand moun qui gen entre 50 ans et plus, qui amuse yo, a fait qui ça? A violé ti moun 12 ans, a défil foire, a. Ou comprenne réalité? Y a crevé ti moun 12 ans. Pour qui ça gen la dan yo parce que yo non situation yo même yo gen autorité parce que soit c'est moun nan famille ti moun nan soit c'est moun ti moun nan rete la kayo maman yo a travail la kayo moun nan moun ki gen ti moyen ave di puisque la bay ti moun nan ti plat manger li ka bay ti moun nan dégoudé ou bien la aide maman la pe don matot li abuse ti moun nan ça zo bagay moun yo tellement plein coordonnateur et Laura m'a tellement plein de situations ça sont pas qui dégénère qu'on y a qui ça au fait et ça c'est un message que commissaire Muscadet te fait passer et imaginez commissaire Muscadet regarde jusqu'au télé regarde jusqu'au télé dans juridiction Miragouane ça tellement touché conscience ça tellement touché en tant que commissaire du gouvernement chef de poursuite l'imaginez s'il était non. Imaginez s'il était dans juridiction ça, s'il était dans Grand-Est, qui ça t'a passé? Donc je dis là, mandé la police pour débarquer, mandé la justice pour prendre responsabilité. Imaginez c'est même nèg ça qui gen moyen qui grand don dans zone là, c'est eux même qui fait ka déjà, c'est eux même qui violé ti moun. Yo pa vle wè ti tete a boujonne dans l'estomac ti moun 12 13 ans, yo pa vle wè ti jipon ti moun, yo pa vle wè embarras ti moun yo, c'est fè kale jak, c'est des fil foire, c'est crevé ti moun yo, li pa bol pa fè sens. Et jodi an la n'a parlé de organisation de défense des droits humains. Yo seulement contenté yo veye Port-au-Prince. Veye problème politique qui passe en dedans Port-au-Prince, mettez l'en question droit moun. Ve problème et gang choisi qui est pour défendre et qui est sur campé c'est bon côté et bandi yo alors que je dis il y a problème qui extrêmement grave pour pas dire plus grave toujours si moun 12 ans qui ça c'est génération future yo grand moun ça yo qui amuse yo a détourner ti moun yo qui amuse yo faire quand déjà ti moun yo qui leur va le payer pour crime ça qui leur va le payer. Alors que nèg yo yo préféré à faire faux débat. Imaginez si code pénal là t'es adopté 24 juin se passé à là. Si code pénal ça t'es adopté, ouais grand moun sa yo t'a tellement prend bon peine dans derrière yo. Yo t'a tellement condamné avec peine qui lourde. Cher met chapeau bas devant nèg ça. Nèg ça nous ouais qui empêcher code pénal t'es adopté à. Après sénateur Jean-René sénateur Zokiki après paquet l'autre monde qui prétend yon dans défense droit monde et puis yo préféré prendre 5 6 petits points article qui sujet à interprétation c'est vrai yo préféré interpréter la façon par yo pour yo dou c'est moralité c'est promotion immoralité c'est promotion débauche qu'a fait en dedans code pénal en tout cas Payo pour yo, c'est ça, on mette dans tête yo. Comme payo, c'est pour yo, qui a fait ça, vous voulez, c'est yo chef, c'est yo gagne la loi au chapitre, c'est yo qui a parlé. Et bien, payo pas pour yo seulement. Mettez ça dans tête, toujours dire, payo pas pour yo seulement. C'est pas parce que yo gagne des examens derrière yo. C'est pas parce que yo gagne des examens qui a défendu yo. C'est pas parce que yo cache la justice. Qui fait nèg sa ou gen droit pour faire tout bagage j'en ouvre en dedans pays. Nous même c'est nous même qui victimes, nous même c'est nous même qui subi oppression nèg sa, nous gen droit tout pour nous revendiquer, nous gen droit pour nous parler. Information ça, plus ou partager, c'est plus moun kap au courant de qui dérive qui a fait dans Grand-Est, qui dérive qui a fait en dedans institution l'état. Et qui raison jodi an la, qui motive communauté internationale, qui motive madame Alim, qui motive Binu comme groupe
pour faut accepter, pour faut valer l'idée même de la transition à travers Fami Lavalas, à travers ancien président Jean-Bertrand Aristide. Maintenant, nous prenons place avec Espace International, avec Mike and Love Glorgens Guerrier, qui pral parler nous de tout ça qui a fait actualité et sous échelle internationale, surtout dans cause armement, dans cause G7, dans cause BRICS. Donc, restez connectés, restez branchés pour qu'on ait tout reste information. Bienvenue dans la rubrique Espace International. C'est Mike and Love Glorgens Guerrier. Moi, quand elle est avec nous pour que nous puissions présenter la rubrique ça. Actualité qui a dominé international là, li pa l'autre que sommet G7 là, même chacune des deals déjà pendant période ça yo, chaque protagoniste qui entre dans conflit qui oppose la Russie avec Ukraine et Occident, yo chaque là yo a cherché une façon pour regarder comment yo capable attirer ou bien gagner l'amour l'autre pays ou bien l'autre allié pour permettre que yo capable allier yo vers cause que yo même yo a défendre. Donc et avec retour Biden aux États-Unis depuis pas mal de temps, nous voyons que lui-même il commence à faire jeu doux ensemble avec un pile pays, il y a plusieurs sommets qui déjà fait, même genre la Russie avec la Chine, il même il pas suspend faire ça. Donc et dernièrement nous t'ai parlé de sommet BRICS, je dis à nous a bien chance pour que nous font parler de lui en résumé de qui ça qui était fait, mais je dis à nous vraiment à accentuer émission moi sur question sommet G7 ça qui était fait à elle, qui s'est fait à El Mao je dis à même et puis nous avons gain chance pour effleurer question yon éventuelle rencontre entre Xi Jinping ensemble avec Joe Biden et même j'ai ça habitué fait et sommet G7 là lui même il était fait année ça il fait vraiment à El Mao côté que malgré te gain en pile tension côté que te gain plusieurs manifestations à chaque fois G7 là lui même il pral réunir toujours gain des manifestations qui toujours opposé nous songer année qui t'est passé yo côté que te gagné des manifestants qui t'est venu ensemble avec des toilettes publiques que t'est metté t'est venu ensemble avec chien qui t'est accompagné yo côté que et yo te gain pour te faire pour te faire face ensemble avec manifestation ça mais je dis c'est tu as différents groupes vraiment qui te répondent présent ensemble avec Bécane ou bien appuyé qui t'est venu au bon côté hôtel qui hébergé rencontre ça mais toutefois la police avec mise de disposition qui ont été pris pour permettre que capable de faire face ensemble avec question sécurité et dirigeant yo ont été obligé limiter présence et manifestants à 500 mètres de château qui était venu faire que manifestation lui-même et pas arrivé plus proche côté autorité yo. Mais toutefois la presse même était couvri et t'ai gain plusieurs journalistes qui t'ai accompagné manifestants yo qui t'ai couvri vraiment événement ça pour t'ai capable expliquer et faire passer sentiment eux même que gagné à propos de G7 là vraiment gagné t'ai gain plus passé 18,000 policiers qui t'ai déployés pour permettre qu'il t'ai capable de sécuriser zone là c'était un bagage qui était vraiment important. Donc Volodymyr Zelensky lui-même il pressé G7 là une façon pour permettre que li pour capable faire maximum de eux-mêmes pour capable mettre fin dans guerre là peut-être avant année ça a fini. C'est ça Volodymyr Zelensky lui-même li gagne en tête li dans château El Mao dans Bavière là côté président ukrainien Volodymyr Zelensky lui-même li exhorté vraiment chef d'état yo avec gouvernement G7 yo pour permettre que yo ka fait maximum de yo pour mettre fin ensemble avec guerre ça qui a ravagé pays là surtout avant que année ça a fini, c'est ça qu'il même il fait déclaration dans discours palier. Dirigeant ukrainien lui-même il était intervenu vraiment par à travers de en vidéoconférence côté que il expliquait vraiment il était trouvé dans sud d'Allemagne côté que il y a plusieurs dirigeants et 7 pays qui puis industrialisés dans le monde là même était réuni côté que le message fort lui-même il déclarait que maximum pour payer au fait en façon pour mettre fin ensemble avec guerre ça qui sans précédent dans pays et sans surprise Volodymyr Zelensky lui-même lui continue à insister pour permettre que on nécessité pour intensifier sanctions contre la Russie donc c'est ça que lui-même lui déclarer parce que il dit
pression yo doit continuer et surtout massivement et lourdement sur la Russie pour ça que lui-même a fait pays il y a et vive là. Donc pendant discours il y a président ukrainien il était évoqué tout que nan mois qui a venu là surtout en hiver en Ukraine côté que situation pour paraître un petit genre difficile pour capable goumer donc nan fin année a et situation yo ka venir plus compliqué position yo capable venir geler une façon pour permettre que et l'Ukraine li besoin support pour permettre que ka mettre fin nan guerre ça bien avant année ça li fini c'est peut-être perspective ça que Volodymyr Zelensky li même li gen bon côté et dirigeant G7 yo même yo promettre que vraiment yo pral continuer pour capable fournir avec soutien financier humanitaire militaire et diplomatique ensemble avec l'Ukraine aussi longtemps que ça li même li capable mander une façon une déclaration commune qui publie vraiment par rapport à sommet qui se fait dans le sud d'Allemagne là et qui exprime vraiment vive inquiétude après l'annonce surtout que la Russie lui-même qui lui-même il a fait côté qu'il transféré quelques missiles à capacité nucléaire à Biélorussie ça qui vient inquiéter non seulement autant mais G7 tout qui fourre pied li dans bataille là et c'est pas un moment pour négociation c'est ça et président Zelensky lui-même il fait connaître côté que il y a une réponse que lui-même qui très claire c'est que jeudi a c'est pas un moment de négociation l'Ukraine est apte pour capable négocier tout autant et là que il senti vraiment il en position pour que il capable faire ça c'est-à-dire et là que il trouvé en situation de force en position de force, c'est ça que Volodymyr Zelensky déclaré à Élysée. En attendant, il vraiment besoin mettre un accent et on terme ensemble avec guerre là en façon pour garder plus vite que possible comment on va finir ça avec question ça, mais il vraiment espéré une coopération qui fait ensemble avec un pays G7 et porter assistance ensemble avec Ukraine. Et il fixait vraiment et échéance pour hiver ça qui a venir. Volodymyr Zelensky il insistait vraiment sur nécessité pour permettre que capable gagner plein soutien et entier très opérationnel à l'Ukraine pour permettre que capable atteindre objectif ça qui lui-même il gagne. Dirigeant et G7 même yo présenté position au côté que bon côté très conforme bon côté attente président Zelensky. Et encore le président Emmanuel Macron lui-même dit clairement que pas gain rien concernant Ukraine et qui pral et décider sans l'Ukraine et lui-même il était déterminé à n'importe qui moment côté que yo doit rentrer dans négociation ensemble avec la Russie et la France continue à jouer diplomatie double jeu côté que lui montrer clairement que pour mettre fin ensemble avec guerre ça faut qu'il y ait une négociation même gens que nous t'ai toujours dit le tout pour capable signer vraiment un cessez-le-feu un accord qui permette que capable mettre fin globalement avec guerre là et capable définir des clauses entre deux parties yo par rapport à situation qui te permette que guerre là les mêmes les déclencher. Donc situation yo paraît un petit genre compliqué pour côté que G7 là les mêmes yo fait une déclaration côté que yo pral continuer à quoi de pression que yo gagné sur le président russe Vladimir Poutine côté que chancelier allemand là Olaf Scholz les mêmes li nan adresse que li te fait avec président ukrainien Volodymyr Zelensky il te dit en tant que G7 nous là nous unis nous bon côté ukrainien et peuple ukrainien en façon pour permettre que nous cap continuer soutenir et idéologie et position l'Ukraine donc pour ça nous pral mettre tête nous ensemble pour que nous prenne décision qui difficile vraiment mais qui nécessaire pour nous continuer vraiment
accroître pression que nous gain et nous capable sous Poutine en façon pour guerre là les mêmes les capable prendre fin. C'est ça que déclaration hein, les mêmes les fait par rapport à sommet ça réunion yo même yo continuer à utiliser des stratégies. Tu as dirigeants américains, canadiens, allemands, français, italiens, britanniques et japonais qui déjà convenu pour permettre que au moins au premier jour lancement et sommet ça pour regarder comment on est capable de faire une sorte de coalition pour qu'à continuer à faire pression surtout sous question la Russie, même si on connaît mécanisme plafond et sous question niveau mondial qui gagne sous prix pétrole russe lui-même yo envisager pour garder comment on est capable toucher question ça. Mais G7 lui-même il a continué vraiment coordonner et plusieurs moyens pour regarder comment on va utiliser par exemple des taxes de douane pour permettre que capable faire face à ça avec produits russes et pour capable aider Ukraine vraiment et à soulager dans la situation qu'il y a et il y a 4 pays qui déjà proposé un embargo sous l'or russe, les États-Unis, Royaume-Uni, Japon, Canada. Donc il y a 3 pays européens qui fait partie du G7 là qui déjà suivent même si décision ça yo a bien pour prendre au niveau de l'Union européenne. G7 lui-même lui exige vraiment libre passage denrées agricoles pour capable venir en Ukraine, c'est ça que yo même yo déclaré par rapport à ça qui rien parce qu'il y a une question d'inquiétude et sous plusieurs pays comme l'Afrique du Sud, le Sénégal, l'Inde et de l'Indonésie, vraiment dirigeants africains et asiatiques eux-mêmes ont demandé sans doute pour capable gagner et une initiative pour capable prévenir vraiment crise alimentaire ça qui capable dévastatrice pour plusieurs pays qui fait partie de région. Il y a des négociations qui en cours vraiment sous l'égide des Nations Unies et même si que qui tardé pour capable gagner un aboutissement là-dedans mais qui était en question avec Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU qui également présent et qui était présent dans sommet ça, sommet G7 là et pays d'Asie avec Afrique côté que eux-mêmes ils ont demandé sans doute aussi un soutien financier pour permettre que capable faire face ensemble avec crise alimentaire ça côté que temps lui-même il a passé vite et puis année ça lui-même c'est une année cauchemar pour plusieurs pays et selon l'ONU gain plus passé 320 millions moun qui pral toucher insécurité alimentaire et ça c'est une situation qui est vraiment difficile et pays ça eux-mêmes yo en première ligne face à cette avec pénurie ça qui gagne c'est G7 doué agir pour éviter vraiment pire et Jean qui te dit là pendant protagoniste eux-mêmes ils continuent eux-mêmes ils a fait tac au tac yo sommet nous rappelez-nous sommet BRICS qui était fait là côté que il était fait et vraiment sous question d'autres coopération économique surtout après pandémie COVID-19 là qui était présenté l'Inde comme un partenaire économique solide et une destination pour permettre qu'il soit capable d'investir et grand nombre et dans plusieurs domaines qui lient ça avec technologie et l'innovation et startups vraiment Vladimir Poutine lui-même l'était déclaré dans sommet ça que des négociations eux-mêmes yo en cours pour yo capable ouvrir des chaînes de magasins indiennes en Russie et également ajouter quelques exportations pétrole russe vers l'Inde et que yo montré qui gagne augmentation et notable et qui pourrait renforcer lien coopération que pays BRICS même gagne sans oublier Xi Jinping côté que lui-même était déclaré sanction politise vraiment et militarise l'économie donc ça a l'vin bay un problème parce que les ou a utiliser sanction l'ou a utiliser militaire pour et dans économie hein il y a des impacts énormes là c'est un coup de pique Xi Jinping lui-même était voué Jair Bolsonaro qui était présent là tout et pour le Brésil lui-même il était uniquement parlé de quelques réussites que pays il y a lui-même il gagne en façon pour que il capable montrer que il a attiré vraiment des investissements là et
la presse indienne ensemble avec international là pas vraiment trop fait écho sur déclaration président sud-africain, mais Vladimir Poutine lui-même l'y appelé vraiment pour BRICS, lui-même l'y a coopéré face à action égoïste que occidentaux eux-mêmes y a fait une autre fois encore et avec une volonté pour y capable de rétablir une sorte d'équilibre et un contre-pouvoir entre pays G7 yo et en volonté qu'on y a pour capable créer une alternative avec système ça. Est-ce que m'ka dit G7 là li opposé ensemble avec BRICS? Nous pouvons totalement et courir dit ça dans la mesure où chaque est intérêt différent et chaque pays qui fait partie de coopération ça ou bien de bloc ça yo même yo gagne un intérêt en fonction de bloc là qui différent par rapport à l'autre, même si nous connaît G7 les mêmes les poter soutien totalement avec l'Ukraine tandis que BRICS yo même yo plus ou moins et modérer sous question hein, et même prendre des positions visibles vis-à-vis de la Russie. Joe Biden ensemble avec Xi Jinping, il était supposé rencontrer dans semaine ça qui dans semaine ça qui a venir là côté de Joe Biden ensemble avec homologue chinois Xi Jinping, il était dû croiser dans occasion pour permettre que Kagon échange un sous et des thématiques qui beaucoup fin détaillées vraiment, mais ce sera que principal conseiller diplomatique président américain Jack Sullivan lui-même l'a déclaré jeudi à avec journalistes en marge de sommet G7 là en Allemagne. Ça veut dire bataille là li continue à faire et chaque partenaire continue à collaborer dans façon par eux pour regarder comment yo capable de tirer profit dans ça qui a passé sur scène internationale là. Merci parce que nous t'ai accepté de connecter avec nous. Marquez Love Gloire direct là avec un bon rendez-vous une autre fois. Bye bye, à la prochaine. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien ou remé pays ou et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique et l'ennemi, mon éditorial nous dit tout. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, que chez Chanel par là pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous bral la balle pays, nous bral faire débat, c'est toujours même Yannick là, même.